amazing way. Yeah, I've been watching you. Yeah, I know you want to get up. Ce montage, c'est magnifique. Vous incarnez quelque chose au même titre qu'Étienne Dao, c'est la pop. C'est-à-dire que vos photos ont toujours immortalisé de manière pop les femmes. Vous êtes intéressé au corps de la femme, au genre. Vous avez révélé Kate Moss sous votre objectif. Vous êtes quelqu'un qui a toujours été un synonyme de recherche, de transgression à travers le glamour. Pourquoi une photographe comme Bettina Reims, qui vient de votre monde, s'intéresse à la prison ? Qu'est-ce qui vous a interpellé ? J'ai toujours pensé que la prison, c'est quelque chose qui pouvait nous arriver à tous. Et que peut-être parce que je suis quelqu'un d'extrêmement libre, l'idée d'être enfermé me paraissait le pire des maux. Et en vérité, ça l'est. Hein. Quand on en sort, on n'est pas plus rassuré qu'avant d'y être entré. On les voit ici, ces femmes. Qui sont-elles, précisément ? Ce sont toutes sortes de femmes. Toutes sortes de femmes. Justement, quand on voit les photos, est-ce qu'on explique la raison de leur incarcération ? Non, on n'explique pas. On n'explique pas leur histoire du tout. Parce que je m'étais engagée à ne pas le dévoiler. D'accord. Et elles m'ont parlé à moi, elles m'ont dit des tas de choses. Et presque toutes m'ont dit pourquoi elles étaient là, mais leurs collègues de cellule ne le savent même pas. Je n'ai pas parlé de celle qui avait découpé son mari en 9 morceaux et qui en avait fait de l'engrais. Ouais. Ou de celle qui avait jeté ses 3 enfants par la fenêtre et elle n'avait toujours pas compris pourquoi. Ça, c'est des drames dont on parle. Enfin, je veux dire, ça, je ne pouvais pas l'écrire. Étienne, vous avez dit que vous avez joué en prison déjà ? Oui, mais il y a très longtemps. Ouais. Une expérience. Oui ? Oui. Qu'est-ce qui vous a interpellé ? De rentrer dans un univers fermé comme ça, avec des codes. Et le bruit. Vous êtes un. Bruit. Le bruit des portes qui se referment derrière vous, une après l'autre. Clique et on vous enferme, et clique et on avance, et on vous réenferme, et on vous réenferme. On se dit, on sortira jamais de là. C'est comme un mauvais rêve. Il y a plusieurs problèmes qu'on a évoqués avec les prisons, notamment la question des détenus qui sont radicalisés, qui occupent beaucoup de moyens. Et on en avait discuté avec un artiste qui a, lui, connu la prison. C'est le rappeur Lacrim qui nous en parlait. Mais moi, je l'ai vécu, ça. Quand j'étais à Fresnes, il y avait l'UDF, le centre de déradicalisation, une unité qui est juste en face. Il fallait voir ce qu'ils en faisaient. Ils en faisaient des tonnes et des tonnes. Mes frères, je veux bien, d'accord, mais il y a 23 détenus. Mais il en reste 1600, là. Et eux, qu'il se passe quoi pour eux ? Tu comprends ce que je veux dire ? Ça se remplit de jour en jour pour des délits mineurs, tu rentres. Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue ? C'est exactement ça. Parce que finalement, plus les conditions sont compliquées, plus on peut se faire radicaliser en prison. Exactement. Et même le service pénitentiaire, il n'est pas con. Il y a des cons partout. Mais ils le savent, ils le vivent autant que les détenus, si ce n'est plus. Parce que le détenu, il sort, eux, ils sont toujours là en prison. Tu comprends ? Donc là, ça passe, ils commencent à en avoir marre. Ils commencent à péter les plombs. Les surveillants, ça fait des 10 ans, ils travaillent dans la même tôle. Ils n'en peuvent plus. Mais il faut les comprendre. Moi, j'ai vu, il y a des vrais humains en face de moi. Des mecs qui demandent qu'à travailler, pas qu'ouvrir ta porte et la fermer. Mais c'est pas possible. Et les mecs qui sont en face, ils savent pas que le surveillant, lui, il est bon, que lui aussi, il pète un plomb. Donc ils le voient comme une barrière. C'est, comme t'as dit, c'est le serpent qui se mord la queue. La phrase de Lacrim est forte. Il y a des vrais humains en face de nous. C'est vrai. On rencontre des gens formidables. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, qu'il n'y a pas assez de surveillants. Et quand il dit les surveillants sont aussi en prison, c'est vrai, je veux dire, c'est deux. Voilà, c'est face à face deux sortes d'enfermement. C'est très dur la vie des surveillants. D'abord, c'est dur parce que c'est un métier qui n'est pas respecté, qu'il y en a qui disent même pas à leur famille qu'ils sont surveillants de prison, ils disent qu'ils sont gendarmes, parce que gendarme, c'est bien, surveillant de prison, c'est pas bien, c'est mal considéré. En tout cas, Détenu de Bettina Reims, c'est un livre essentiel, préfacé par Robert Badinter. Étienne Dao a été saisi par la puissance des portraits. Oui, très, très fort.